s'est habillé tout en blanc, menottes aux mains, que le pasteur Paul Mukendi a quitté la salle d'audience du Palais de justice de Québec samedi matin. Le jury a donné son verdict. L'homme de 40 ans est coupable des 9 chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Des chefs d'agression sexuelle, de voies de fait et de menaces de mort. La nouvelle a visiblement secoué les proches de Paul Mukendi. Plusieurs ont quitté la salle en pleurs. Mais pour la victime, une étape importante vient d'être franchie. C'est un immense soulagement d'être crue. Elle a eu la tête haute durant tout le procès. C'est un procès qui a été difficile. J'ai parlé de son processus de dénonciation. Donc, évidemment, pour elle, là, c'est un moment là, qui est très, très positif pour elle. Durant le procès, la femme de 31 ans a raconté comment le pasteur s'en est pris à elle dès ses 14 ans. Moment où elle a littéralement été donnée en offrande par sa propre mère au fondateur de l'Église Parole de vie. Elle aura ensuite subi des sévices sexuels et des épisodes d'une rare violence jusqu'en 2016. Ce sont d'ailleurs ces derniers événements qui ont poussé le juge à garder Paul Mukendi derrière les barreaux jusqu'au prononcé de sa peine. Compte tenu des verdicts de culpabilité qui ont été rendus, nous estimions que l'ensemble des circonstances, particulièrement le dernier événement qui avait été reproché à monsieur l'accusé, et l'ensemble des circonstances des infractions faisaient en sorte que la détention immédiate s'imposait pour ne pas miner la crédibilité du système de justice. Les représentations sur la peine se tiendront en septembre. Paul Mukendi fait face à une peine minimale de plusieurs mois d'emprisonnement, mais cette peine pourrait être plus lourde et atteindre plusieurs années, puisque le juge devra prendre en compte tous les chefs d'accusation dans ce dossier, selon la Couronne. La défense compte quant à elle porter en appel la décision. Ici Léa Beauchesne, Radio-Canada, Québec. Salutations compatriotes, vous êtes branchés connectés dans www.congodialogue.com ou à Bino José Boloa, l'international, sur notre petit écran. Merci à la grande fille, la petite fille, bon, elle est grande, elle est petite, que nous souhaitons un bon anniversaire encore une fois. Ici, la ratée, au Teko Botamakoukse, 10 ans, Joyce Boloa. À vous, Yangwana. Et c'est écrit derrière la caméra. Voilà, en fait, chers téléspectateurs, enfants de Dieu, ça concerne plus la religion. J'aimerais, comme vous savez, c'est déjà passé dans les réseaux sociaux, un de pasteurs, un éminent pasteur, révérend pasteur, qui fait un bon travail à niveau au Canada. Et aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, dans les chaînes internationales, bon, on s'est dit que la réputation est un peu saluée dans le fait qu'il a été coupable. Voilà, je vais lire l'article que j'ai reçu de par mes téléspectateurs, mes auditeurs. Il est écrit ceci, on a écrit cet article, dit ceci. Le pasteur Paul Mukendi est déclaré coupable et arrêté. Le pasteur Mukendi Paul est déclaré coupable et arrêté. Paul Mukendi a été reconnu coupable de 9 chefs d'accusation samedi au palais de la justice de Québec au niveau du Canada. Le fondateur de l'église Parole de vie faisait face à 9 accusations d'agression sexuelle, voie de fait et menace de mort sur une plainte. La victime avait 14 ans lorsque Mukendi l'a agressé. Et vous allez remarquer dans les images, c'est une petite fille, hein, c'est une petite fille. C'est une petite fille, une jeune fille, c'est une de ses fidèles de l'église. Voilà. Alors, le cadronnégère est reconnu coupable sur toute la ligne par un jury composé de 4 femmes et 7 hommes. Évidemment, on est très satisfait du verdict. On est surtout satisfait pour la victime pour laquelle le processus de dénonciation a été long et ardu, a déclaré la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Sonia Lapointe. Alors que l'avocat du pasteur Paul Mukendi a demandé à ce qu'il soit libéré en attendant sa peine, le juge Jean-François Aymond a préféré opter pour la détention immédiate pour ne pas miner la confiance du public. Pendant le procès, la femme a rencontré, avoue arrêté sous les jougs du révérend pendant 14 ans, depuis 2002 jusqu'à 2016. Le jury ont reconnu leur verdict sans savoir que d'autres femmes de l'église de l'accusé allégèrent qu'elle aussi avait été agressée par le pasteur. La poursuite avait été de faire admettre ces témoignages en preuve. Mais la demande avait été rejetée par le juge.
toute la cause reposait donc principalement sur les témoignages de la plainte. La détermination de sa peine devrait avoir lieu en septembre. La défense a déjà fait connaître son intention de porter la cause en appel. Je crois que le pasteur Paul Mukendi, c'est un pasteur qui est vraiment influent dans les réseaux sociaux, nous le connaissons. Et un autre article que je peux lire pour vous, nos téléspectateurs, référent Paul Mukendi, arrêté, persécuté, condamné à pour avoir prêché l'homosexualité n'est pas des dieux. Ça, c'est selon sa prédication. Nous sommes de cœur avec vous, général. Nous prierons le Père en votre faveur. Prêchons la parole de la manière dont il est le même, si cela nous coûtera la vérité. Ça, ce sont des commentaires de plusieurs personnes qui ont écrit, d'autres disant qui prêchons la parole de la manière dont il est, même si cela nous coûtera la vie. Prêchons sa modération pour que les gens comprennent à quel temps nous sommes actuellement. Voilà, nous connaissons le pasteur Paul Mukendi. C'est un des pasteurs influents à niveau à Canada, Kuna, à niveau à Québec. Et il a été arrêté en collaboration avec les humains, la régie. Je vais vous balancer, c'est déjà passé dans les réseaux sociaux. En fait, vous savez, l'espace dialogue avec moi, je suis Bourlois, c'est là où la réflexion et la connaissance se rencontrent. Les avis sont un peu partagés. Je fais partie de je ne sais pas combien de groupes WhatsApp de la ville et puis même de l'extérieur. Et Batébélé, Bazala, qui est un peu dans ma vie, n'a pas encore partagé. Les uns se disent que, bon, Azui, pasteur n'a pas Azui. Yé Penza, moi, n'a mouké, moi, n'a 14 ans, comment quoi, Koulouka, a agressé d'une manière un peu sexuelle, tout ça. Et Balobi, qui est aventurier, Bamsou, Azoubi, aventurier, c'était Tintin. Il est coureur de jupons, quelque chose comme ça. Parce que cet événement n'a pas commencé aujourd'hui, comme on a écrit. On a vu que c'est depuis 2002, selon la plainte de l'accusé, que le pasteur. Abandai Kolandai. De l'autre côté, en fait, c'est un peu bizarre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que Bana Nzambe, je crois même David dit pourquoi le géant en tombe toujours. Pour nani ba géant ba kouya kakaka. Bat bazo ko encourager pasteur Paul Mukendi, balobi continue côté. Selon ses prédications, à télémé la homosexualité, à la bise à Nzambe te. Et pourtant, il y a beaucoup d'autres l'homosexualité, bien sûr, ma prix Makayango d'ailleurs, pour Nabango, bon, c'est la vie normale, hein? Mais il y a ce qu'il y a par rapport à la parole de Dieu. Certains commentaires disent que, bon, au fait, vérité, on est salué que, bah, utiliser la fille en question pour na, peut-être bah, arrêter Atik à côté à Bablo Kwananiosto, tu vois. Alors, quel est votre avis par rapport à cette action? Quel est votre point de vue, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, Bozo Landarana Minit Oyo? Quelle sera votre réaction? Quelles sont vos réactions? Parce que apparemment, on dirait serviteur de Dieu, Vandikimia. C'est ça le constat que moi je fais. Nous avons bien les pasteurs, votre, Bozo Tchata, commentaire là-dessus. T'es mouké kakanamoun, Facebook, réseaux sociaux, Bozo, nous sommes avec vous. Vérité, quel que soit, prix Nango, il faut te Ango Kaka, ainsi de suite. Mais vous qui me suivez, par rapport à Kaya, pasteur Paul Mukendio, quelle est ta réaction? Ozana kaya nina bato balo bakaza aventurier à Fouti parce qu'il n'est pas sérieux. Tozana kaya bato bazolo baké bon. Même ba apôtre Paul, ba apôtre Pierre, ba Étienne, à cause de la vérité, ba kangai bango, msou ba lapida ki bon, même ba boma ki bango. Et pourquoi pas Paul Mukendi payé à cause de la vérité de ba kangi le loyo peut-être en prison. Sorry église Zanini, si avant sa leadership, gloire au Seigneur, l'église peut continuer parce qu'on peut arrêter l'homme de Dieu, mais on ne peut pas arrêter l'œuvre du Seigneur. Donc l'église Nanzam est singulé avancée, même si l'homme de Dieu est arrêté. Yesu Moko d'ailleurs, Yesu Moko ba kangaki, mais le Christ, l'église continue toujours qu'on évolue. Donc voilà un peu le tongato sur l'anabiso ensemble. Si vous avez des questions à poser, ma réaction lingo ba ça peut ba commentaire au ça là tu es la bienvenue yako yeba ndenge nini yako ba ki ça ba commentaire na biso mais moi tant que parce que j'aime vraiment bien ce que bolo lobi nini mais pour nanga tant que moi na nzambe za pasi to ko se pe un liwa ya to bokangami ya serviteur mon côté tu vois quelqu'un me dira que nzelo musa na nzamba le kité ndela mosena nzambo aleki osono aleki ngo te moyen o oye ba pasi nango ezate souvent nous sommes hâte ya ko critiquer
Mais je bizarrement bato bazo kiti bazaka entre guillemets ba sen nzambe et puis ba entre guillemets ba na nzambe bazo kiti azu penza impudique wana tata wana ndi to mona tena ba lox ninga sala ba suki wana pena kalinga kango ba yona ni po juger mo sen nzambe tu vois mais azo prêcher vérité cause à vérité tele mili loko ezala pratique na biblia te ba créer ba son to mona ngue bena ba serviteur rebelle on a vu on a tant vu ba dimisho agar to mona ngue bele ba serviteur rebelle lolo yo Bazala a toujours cible parce que si on a la vérité, on crée toujours un scénario pour vendre ce kimia. Tu vois? Alors, moi, je ne pense pas qu'il y ait un sujet à gloire, un sujet à moquerie. Parce qu'il n'est pas sérieux. N'est-ce pas? Peut-être que l'équipe n'a pas en été. Toi, tu prêches la parole, peut-être avec compromission. Mais lui, il prêche sans compromission. Tu vois? Au pont arabe maté à côté à peut-être. Au moment où tu as été sous mon église, il y a un partenaire qui a 4-5 femmes à Okima. To ba frapper bazan église même so ko te vérité ba rokima mais il y a te vérité et même mien na bisuko et même tu vois et puis l'œuvre de Dieu ça na marambebele ba ami téléspectateur maman Francine Ngembe œuvre na nzambe za mambebele ba ta ke zebele tu vois tant on sala ba menace bele o prier pe trop zo benga ba demo bele ça je le très bien retour ko za la kaka retour on za la ni soit ba créer le ba scénario ba ko sala make up mo bo ya secrétaire na peut-être ba utiliser ba foutier ba mbongo pour ça ne va se dire pour réputation et ça ni beba pour église panza c'est ça même la mission de ténèbres mission ténèbres en wana ba créer scénario ba créer les pasteurs moi secrétaire ne mogo bo ba envoûter ba pécher balar à droguer et après ba bima quelque chose comme ça donc il y a tant de choses qui se passent dans le corps de Christ moi là je réfléchis selon moi tu vois il y a ba prêcher monsieur comme là ba serviteur na nzambe bele oyo et c'est bien sûr que ça peut ba serviteur monsieur ba tintin ba maman na tintin bescro parce que comme Jésus va chez liboso mais business na bango penza donc les gablons na bango pena sérieuxité zate na katia musana nzambe bazana bango mais qu'est-ce que Christ avait dit tout ce que ba ivre na hébreu ça ni ko landela moko yé mon chef famo so ça ni akoya na moment opportun tant aux à la presser musana nzambe pena za mon quoi ta frapper yo zo juger selon yo tu ne sais pas la lien ça zanango tu vois donc moi patience ces ala na biso to prier à peu pour nos serviteurs en disant mais dommage que to le bara trop to kitika trop mais to semble la mouke pour nabango mais cela n'empêcherait pas que ils soient bien ni to comment d'abord na misala nabango misala nabango na bambuma nabango na bambuma avec le fruit ce sont ces fruits de to remarque oh pena ah oh maman na tintin penza oh penza tezan aura business oh pena tezan on ligablo na ce sont des fruits que nous allons voir que non ça c'est vraiment un vrai ligablo. Donc l'église devient son ONG. Ce n'est pas l'église de Christ. Tout c'est lui. Tout est centralisé par son nom. Tout c'est son nom. La parcelle là où il prie, c'est son nom. Secrétaire, c'est sa femme. Les as, ce sont ses enfants. Donc comment moi, hiérarchement, un empire ou empire, mon koboué. On va voir dans des œuvres. Les fruits, c'est ce que ça veut dire. Vous les remarquerez au travers de ces fruits. Tu vois. Et rien ne peut rester à cacher. Et tout ce que nous faisons, donc tu vois, donc nous ne sommes pas là pour jeter la balle à notre frère, le pasteur Paul Mukendi, mais par rapport à cette situation, nous analysons, nous réfléchissons, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? T'as les peines aspect mon spirituel, n'est-ce pas? Est-ce que ça va t'attaquer, me souhaiter? T'as les peines aspect social. Mais si quand il y a ce qui est vrai, na kati na etonga, mbo kani pas ce qui est vrai. Vous êtes là au moins, peut-être. Si le Seigneur t'est convaincu de le faire, ça là on. Et c'est aussi une interpellation serviteur de Dieu. Si Dieu te dit que de l'autre, fais-le. Ne caresse pas. Hein, Joyce? Hein, Rebecca? Fais-le. Il ne faut pas caresser. Il faut prêcher la parole, prêcher la vérité. Hein? Il ne faut pas caresser le mensonge. Il ne faut pas caresser. Parce que le lot, sur le séminaire est belé, sur le kekuna, bande, bandelitin, asuka. Prospérité. Tu vas voyager. Tu vas faire ceci. Mais c'est moins des séminaires aujourd'hui, à ce temps de la fin, qui prêchent l'enlèvement. Vous voyez, dans le séminaire, vous avez un enlèvement. Ils en ont souhaité. C'est mené à boire pendant un thème dans ma soumo. Tika, salabou, ils en ont souhaité. De quoi m'arrêter? Akula, professeur, parle. Sakola papa, Osa Nzambe, ya solo. Et puis, vous comprenez, donc, nous sommes pour quand tu dis Osa Nzambe, ben, personne ne peut coller $10, $100, Robi, ya solo, le culte, ils allaient qui pendant Anguilla. Mais son Nzambe souhaité, ma Anguilla, ils allaient te appeler, ils allaient qui soumo, te aboué, tout ça, ils en ont souhaité. C'est ce qui est dommage. Voilà. Si tu as ça, pasteur Paul Mukendi, ça doit nous interpeller. Notre pasteur est arrêté. Nous ne savons pas comment, s'il serait, il serait condamné ou comment. S'il serait, je ne sais pas moi, nous attendons toujours le verdict. Comment juge il y a Québec, toi, Canada, au Katalikambonae.
Mais ce qui est dommage est que le pasteur est arrêté. Il a été arrêté, il est aussi coupable, n'est-ce pas, par des accusations d'agression sexuelle à la petite fille de 14 ans. Et ce que tu as l'image, c'est que nos familles, on a dit, c'est pas la macassie. Nous avons besoin de nous faire un peu de temps. Oui, il faut qu'on tape la prison. Ça a été un peu de temps. Ça a été un peu de temps. Comprenez? Et ça a passé. Voilà, des commentaires à faire, des suggestions à donner par rapport à cette réflexion, situation de notre frère, le pasteur Paul Mukendi. Vous êtes la bienvenue. Quel est votre point de vue en tant qu'enfant de Dieu? Quel est votre point de vue en tant que téléspectateur à Congo Dialogue? Quel est votre point de vue en tant qu'homme de Dieu serviteur? Quelle sera ta réaction? Et quel est votre point de vue, vous, fidèles, il y a l'église, parole de vie, il y a pasteur Nabiso Mukene. Bolobine, bro, kima to brovana kaka, on a parole de vie. Boza wana kaka to bro kima nabino, parce que, berger bakange, bino sko ba brebis bosani. C'est à ce moment ici que tu es bapena, ça, ce sont de vrais brebis. De vrais brebis qui vont être là pour continuer la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur. Voilà, je suis à la fin. C'était une réflexion que j'avais voulu que nous puissions partager ensemble. Un grand merci à toute la famille de Congo Dialogue. Un grand merci aussi à vous, chers téléspectateurs. Le devoir que je peux nous demander, si tu es un croyant, un believer, prie pour ton pasteur, prie pour ton prophète avant que ce soit trop tard. Et si tu as la possibilité de les affronter, parle-le avec amour, parle-le avec sagesse. Non, l'homme de Dieu, n'est-ce pas? Soit peu qui pire et côté trop, bon saute comme un zambo, bon moto peu côté trop, ah, ma bien moi. Il y a aussi des hommes de Dieu qui ne veulent pas qu'on les parle. Maman a têtu. Il y a des serviteurs de Dieu, maman a têtu, donc à ça, comme Melchisedec. Il connaît tout, il a tout, parce qu'il a presque reçu tout, maintenant il ne peut même pas écouter. C'est un défaut. Le serviteur de Dieu, on le reconnaît, non seulement par ses dons. On reconnaît un serviteur de Dieu par la manifestation de ses fruits. Il y a le fruit du Saint-Esprit qui se manifeste dans neuf fruits. Il n'y a qu'un seul fruit que le Saint-Esprit donne. Et la manifestation que les gens vont savoir que openeza nzambe. Et un leader, c'est celui qui écoute. Tu te dis, pasteur, mambo ça ya bien te tika ba vieux papa, tika ba sero, tika ba nanyo, yo kakape. Oyo sokolwa pasteur Paul Mukendi Pamba. N'est-ce pas? Yo kakape, yo kaka. Et sois toujours connecté dans la présence de Dieu. Parce que si le Seigneur, le Saint-Esprit te connaît, tu sauras que ça c'est un danger. Je me sens faible. Demande aussi l'assistance de la prière. Beng maman sur Beng Bakubaba, l'intercesseur, priant pour moi, pour soutenir un amour sincère un peu faible. N'est-ce pas? Voilà. Merci à Sœur Rose Bac en États-Unis. Merci à Prof Bellon. Ah, Prof Bellon, Prof Bellon, Prof Bellon. Cloud Watt Campus, centre de formation à langue à Anakatia, Cape Town, à South River. Merci à Chris Vangadio. Hein? Merci, 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 Nadjo Espoloa. Merci, merci, ma Francine Gembe. De sa pasteur, Salama Passi, Nakatia Kora Christ, pas serviteur Bolobini.